Alors tout le monde, voici Champion MMC. On se retrouve pour un nouveau unboxing. Ceci est mon deuxième unboxing. Parce que j'en ai fait un autre il y a environ un an. Qui était mon ordinateur. Car ça fait un an déjà que je lis. Ça paraît pas, mais ça passe vite et pas à peu près. Aujourd'hui, le unboxing, qu'est-ce que je vais vous présenter? Vous allez voir. Vous allez voir. C'est deux choses que j'ai commandées. On va commencer par un. Je l'ai déjà ouvert. Parce que je l'ai déjà ouvert. Et c'est tout simplement. Comme ça dit rien. Mais. En regardant comme ceci, c'est un micro. Oui. C'est un micro. Et je suis bien content de l'avoir. Je ne l'ai pas ouvert, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas ouvert. On le découvre ensemble. Je sais c'est quoi, qu'est-ce que c'est, mais on le découvre ensemble. Ah, oups, le papier collant qui est resté. Ah, c'est beau ça. Il y a une place que je sais pas où que c'est, mais que je pourrais mettre des piles. Je me demande où que c'est. Bon, c'est pas grave. C'est un micro quand même assez particulier. Bon, de nos jours, s'il n'y a rien de particulier. Mais c'est un micro qu'on peut utiliser pour aller dehors. Oh, ah! Une mousse. Avec, bon, je sais plus c'est comment ça, que ça s'appelle, mais un support pour ceci. Ceci, on met ça là-dedans. Comme cela. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est enregistrer dehors, puis éviter que. Enregistrer le vent s'il vente. Pour enlever certaines choses. On va l'enlever. Pour avoir une meilleure qualité. Je me demande. Oups! Je me demande vraiment. Il disait que ça prenait des piles. Où ça? À moins que. Oh! Et voilà! Voici. Ah, ça prend une pile en plus. Oh ouais! Puis c'est une double A. C'est parfait comme ça. Ça prend pas beaucoup de piles. Une double A, c'est très commun. C'est pas comme des triple A que. Il y en a, mais. C'est une longue histoire. Bon. Ceci. J'en ai deux. Comme celle-là. Wow. On dirait qu'il a fait un nœud. Ah non. Et voilà. Deux. À quoi que ça sert? C'est beau ça. Ça rentre même pas. Me semblait que ça aurait rentré. Bon, c'est pas grave. Mais à quoi ça sert? Ça, c'est pour placer le micro. Ceci pour un trépied. Et ceci, c'est pour une caméra. Parce qu'il y a un petit carré ici. Puis ce petit carré-là, on l'insère dans une caméra ou qu'on peut mettre quelque chose. Puis on peut le mettre, le placer dessus. Mettre le micro là. Et voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ça fonctionne comme ça. J'en ai aucune idée. Ok. Je verrai ça en temps et lieu. Ensuite, nous avons un filet. Juste pour vous dire, la prise qui est là, c'est une prise XLR. Bien sûr, pour les micros.
Shannon là. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas l'enlever par contre. Ici, on a une prise XLR aussi. Puis ici, on a une prise un quart pour pouvoir le mettre, par exemple, dans. Comment on dit ça déjà? Dans une console. Mais, on peut le mettre aussi. C'est conçu pour ça. Bon, vu qu'on peut le mettre par sur une caméra. On a un adaptateur XLR 1.8. Un quart 1.8. À quoi que ça sert? Tout simplement comme ça. On rentre ça. Et voilà. Et on rentre dans une caméra. Je vais l'essayer par contre sur mon ordinateur aussi. Il n'y a rien d'autre. Voici la mousse qui est pour le micro. Et voilà. Et voilà le deuxième chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Vous le saurez, mais ce sera pas long. J'ai pris un compas. Parce que ça fonctionne. Très bien. Si t'as pas de ciseaux pis t'as un compas, prenez ça. Je m'amusais quand j'étais jeune au secondaire là, à couper ça. Hop! Avec ça, je faisais comme des feuilles. Tu sais, quand on. Exemple des coupons, là, on plie, on découpe, c'est facile. J'ai même besoin de faire ça avec des feuilles, par contre. Ok. Faut-tu ouvrir? On va finir par l'avoir. Bon. Presque. Je pense que c'est du bon tape. Si c'est pas du bon tape, il y a un méchant problème. Du papier bulle. Il est gros quoi quand c'est papier bulle là. Et voilà. Une caméra. Oh, un noir. Oh, je pensais qu'elle était rouge pour peu importe la couleur. D'autres papiers bulles à l'unité. Ouvrons-le. T'as un manuel qui. En chinois puis en anglais, si je me trompe pas. J'avais commandé ceci. J'avais le choix de plus cher ou moins cher. J'ai pris un peu plus cher, ça m'a coûté 50$. Puis, il me fournissait une carte SD intégrée de 16 Go. C'est parfait! Je me plains pas en tout. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. J'avais le choix ça ou un peu moins cher, mais j'en avais pas. J'ai pris ça. Comme il disait que ça venait gratuitement. Tant mieux! Je m'en plains pas en tout. Il y a la caméra qui est dedans. On va attendre. T'as une pile ici. Ouais, c'est une pile. Avec un chargeur. Un fil pour la caméra, tout ça. Vous comprenez le principe. Ouvrons. Découvrons la caméra. Au moins, elle est bien protégée. C'est un petit sac. Oh, voilà la caméra. En fin de compte, elle est bien rouge. Et voilà. La belle caméra.
au moins maintenant, je vais pouvoir ne plus utiliser tout le temps mon cellulaire. Parce qu'en ce moment, j'utilise mon cellulaire. C'est en 720 pixels. Tandis que mon cellulaire, je pense qu'il est capable de filmer en 1080. Je suis pas sûr. Encore là, je dis ça, mais je suis pas sûr. C'est sûr que c'est pas la meilleure définition, mais au moins, ça fait le travail. Pour le prix, là, je suis bien content. Puis si vous voulez voir, je peux faire ça, je vais pouvoir regarder en même temps. En ce moment, je vois pas qu'est-ce que si je me vois bien ou non. C'est pour ça que des fois, vous me voyez. J'essaye, c'est sûr qu'on me voit pas parfaitement. Comme ça, là, je vais me voir, puis je vais pouvoir m'ajuster en temps et lieu. Je vais pouvoir m'acheter un trépied aussi pour. Vu qu'on peut visser ici. Oh, c'est fun ça! Je pense que tu as 6 fonctions. Je pense. Ici. Ah, ici on met la pile. La carte SD. C'est sûrement de même. Ouais. Comme ça. Alors, ça rentre comme ça. T'as même une petite pincette pour tenir la pile. Ici, c'est pour le zoom. Ici, c'est pour enregistrer. Ah! Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Vous voyez? Que je vais vous montrer. Tu me niaises? Tu me niaises ou quoi? Fuck? Ok, on peut l'écouter avec ça, mais je comprends pas pourquoi. Ah! Je ne pesais peut-être pas assez fort. Comme ça, je vais pouvoir faire ceci. C'est une heure, hein? Ça paraît. Et voilà. Tout simplement, je vais pouvoir filmer de même, enregistrer avec le duo comme ceci. Tout simplement. On va ouvrir ceci. Pourquoi? Parce qu'on va le voir qu'est-ce que ça ressemble. Espérons qu'il est chargé, sinon. Et voilà. Je vais débrancher ça parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et voilà. Allez. Bon. On revisite par contre. Bienvenue. Vous voyez, on peut voir. Ah, je pense que la pile est pleine. C'est parfait. Non. Et 2/3. Au moins, je peux voir faire le test. Ça, c'est le fun. Elle fonctionne bien. On va fermer pour l'instant. Avec un petit bye-bye. Welcome. Ainsi que bye-bye. On va se laisser pour l'instant. Et pourquoi? Tout simplement, on va faire. C'est tout simplement une ellipse. On va aller maintenant transférer de là pour aller à là. Ce qui veut dire. Vous allez me voir maintenant à partir de ma caméra et non de mon cellulaire. Alors pour ça, je vous dis ellipse. J'ai eu le temps de faire quelques tests. Pour l'instant, je ne peux rien affirmer. Pour l'instant. À part que le micro, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
Ça, c'est pour qu'est-ce qu'il y a du micro. Pour qu'est-ce qu'il y a de la caméra, bon, la qualité, c'est pas la meilleure. On s'entend, mais au moins, ça va faire l'affaire. Au lieu de toujours prendre le cellulaire, puis le cellulaire, des fois, je sais pas comment je suis cadré. Je paye sur. Pour démarrer l'enregistrement. Je reviens, mais je me vois pas. Tandis qu'en ce moment, je me vois très bien. Je sais comment que je suis. Je sais que. Où est ma main, tout ça. Par exemple, qu'est-ce qui est bien avec ça, c'est que si vous voulez vous abonner, vous cliquez ici, tout simplement. C'est bien ça. On pointe à quelque part, moi je me vois. Ce qui veut dire, si je me tourne de place, oups, ça c'est même, je me vois exactement comment que vous me voyez. Ça c'est qu'est-ce qui est très bien. Petit problème par contre, possiblement, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que pour l'instant, jusqu'à date, ce que j'ai remarqué, ça se peut que j'aie fait une chose mauvaise. Je m'explique. Pour l'instant, la pile ne tient pas. Tout dépendant, peut-être j'ai pas fait les procédures de début correctement. Ce que je vais faire, je vais décharger complètement la caméra, la pile de la caméra, le recharger complètement comme qui est inscrit pour voir le résultat. Pour l'instant, je veux rien affirmer, mais ça se pourrait que si la pile ne tient pas, que ça se pourrait très bien que je retourne la caméra parce que une pile qui tient pas là, en tant que youtubeur, une pile qui tient pas, on prend pas ça. J'ai même revérifié pour être sûr à propos de la pile. Ils disent la première charge, ils disent plus de 8 heures. Je vais faire plus de 8 heures. Après ça, c'est 2 heures. Donc, je vais le décharger complètement. La première charge complète, ça va être complet à 0. Qui va être 8 heures et plus. C'est plus que 8 heures même. Sinon, j'aurais pas le choix de le retourner. Mais comme que je disais aussi, je l'avais regardé pour savoir le nombre, la durée de la pile, puis j'ai eu ma réponse. Tout simplement, environ 2 heures, qui est largement suffisant. Bon, ça c'est limite. On s'entend. On s'entend que c'est limite. En même temps, si je voudrais tourner dehors, par contre, là je suis limité, il faudrait peut-être que j'ai une deuxième pile. Mais sinon, en général, 2 heures, c'est suffisant pour tourner des vidéos. Et en plus de ça, vu que j'ai 16 gigs de mémoire avec la carte SD, parfait ça! Honnêtement, c'est parfait. Sinon, là, je ferais même pas cette vidéo en ce moment. Je vous le dis tout de suite, je ferais même pas cette vidéo en ce moment si j'avais pas eu cette carte SD. Alors, avantage de ça, c'est que je peux tout de suite filmer. Je peux tout de suite commencer à filmer au lieu de penser à acheter une carte SD. Puis attendre je sais pas combien de temps si on prend une affaire sur Internet. Ou tout simplement une affaire en magasin qui peut coûter même des fois plus cher que sur Internet. En gros, c'est ça. Je vais voir encore, je vais faire encore des tests et tout pour savoir qu'est-ce que je fais avec cette caméra. Ça, c'est pour qu'est-ce qui est de la caméra. Ensuite, je vais vous avertir en temps et lieu, qui veut dire à la prochaine, pas la prochaine vidéo qui va être le 28, je vous dis tout de suite le 28. Qu'est-ce que ça va être le 28? Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je ferais une vidéo vers la fin du mois, c'est tout simplement une théorie Pokémon. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'avais déjà préparé, et déjà prêt depuis un certain temps, une semaine ou deux environ. En gros, lors la publication de la première vidéo Théorie Pokémon, j'avais déjà terminé la journée même la seconde vidéo. Alors, j'avais pris de l'avance avant que je prenne cette décision d'arrêter, de prendre une pause. Juste pour vous dire, je comptais arrêter pour le restant du mois, surtout que vous êtes 2 semaines, vu que le 28, je reprends le rythme habituel. Pour vraiment me prendre une pause en même temps
en profiter pour des plus gros projets comme que j'ai dit dans la dernière vidéo. Sinon, pour qu'est-ce qu'il y a de la caméra et tout ça, je vais vous en parler lors de la vidéo after le 2 mai. Jusqu'à date, à chaque 2 mai, bon, je vais essayer comme ça, à chaque 2 mai, il va y avoir une vidéo after. À moins que je meure bêtement, ou peu importe, mais sinon ça va être à chaque 2 mai. Alors pour ça, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, ce deuxième unboxing. On s'entend que j'ai fait aussi un autre unboxing il y a environ un an de cela, qui était pour mon ordinateur, bien évidemment, dont je suis bien content. Celle-là, c'est mon deuxième unboxing. Jusqu'à date, les unboxings, j'ai fait pour des choses assez importantes pour ma chaîne. Parce que ça peut changer un peu, d'une certaine façon. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous dis merci à tous.